Salut tout le monde, c'est Majemo et aujourd'hui nous sommes sur le serveur de Dorto, c'est Siphano avec KLR WoW. Salut à tous. Salut à toi. Alors tu commences déjà à faire l'idiot en bougeant dans tous les sens. Non, alors t'es resté avec le skin mexicain, mais moi je te vois avec le skin d'Ezio parce que j'ai mis mon pack de texture, donc ça va être une occasion pour vous de le voir. Alors là vous avez remarqué que je vais pas du tout dans la ville parce que je me dirige vers la villa de Vanga King. Petit fail, voilà. Déjà. Ouais, non, mais je me suis aperçu qu'on pouvait la montrer. Magnifique villa. Alors ça, je trouve qu'elle est très bien construite. Hein. Ici, il y a les restes d'un igloo en sandstone. Bon, ben, vraiment un reste. Hein. C'était ma maison. Pété à la TNT, non? Je sais pas. Non, je crois qu'elle a été coupée directement par Kazuo avec ses manipulations étranges. C'est lui qui m'avait fait fabriquer et c'est lui qui me l'a supprimé. Alors on rentre dedans, on n'a pas le droit, non c'est privé chez Vanga King, lieu privé. Bon moi on rentre pas, tant pis pour toi. Hein. J'y suis rentré avec Dorthos donc Oui mais bon allez on rentre, on y va. On rentre dans sa maison, voilà. Et je sais où il cache les diamants maintenant. Merci. C'est vachement joli ici, j'adore. Hein. J'adore ce que fait Vanga King dans... Ouais. Toujours hein. Donc là une cheminée qui est éteinte. Perso moi j'adore les murs en briques et puis le sol en briques. Ça fait très très 20e siècle en fait. Ah, j'ai trouvé aussi les blocs de diamants. Oui, voilà. Pas mal. Hein. On n'a rien vu, on passe. Bon, et. Ah oui, armure en diamant. Ah oui, intéressant. Hein. Ah, j'avais pas vu ça, l'armure en diamant. Bon, ouais, mais tu verras, c'est honorable parce qu'il a pas de TNT. Et moi non plus. Ah, moi j'en ai un petit peu. Bon. Ok, tu es banni. Alors, il y en a peut-être ici. Ah non, là, il y a que de la bouffe. Un gros sac. Ok, là je lag légèrement, mais bon. On va à la ville. Oh oui, juste ceci. Ou tiens, on va faire mieux. Tiens, on va se rendre à la montagne que tout le monde a vu déjà. Ah, la mythique. Hein. Voilà, la montagne de Dieu. Donc tu fais le warp. Hein, je vais pas m'amuser à te TP. Alors toc, slash warp. Il va popper juste devant moi là. Non, je ne pop pas. Vu que si je fais slash warp. Ça me fait un castle jail 1, jail 2. Hein? Non mais MD j'ai dit hein. Ah la montagne. Warp MD, voilà. Voilà. Donc alors, regardez quand même l'évolution. Enfin l'évolution, en fait j'avais jamais montré ce serveur. Mais vous avez pu le voir sur les vidéos de Siphano et de Dorthos. Enfin, pas. Non, Vanga King a montré le serveur. Oui, Vanga King. Enfin voilà, c'est quand même énorme. Là, il y a tout le quartier résidentiel. C'est colossal même. Ouais. Une immense verrière pour protéger de la foudre et des mobs. Hein, les murailles qui séparent les différents quartiers. Et qui en même temps empêchent les zombies, les araignées, les creepers de rentrer et venir nous embêter. Est-ce que après on fait une visite guidée des quartiers et puis des différentes maisons après? Ouais. Ah maintenant le but c'est qu'il va falloir descendre dans la ville. Voilà. Bon on est en god donc on peut sauter directement mais il faut trouver une porte. Oh j'en ai trouvé une porte. Attends est-ce que j'ai du verre? Oui j'ai du verre c'est bon, regarde. Ouais, en fait. Ça s'appelle casser un bout de verre et rentrer. Bah oui mais ça marche, vas-y rentre. Hop. Et voilà, c'est bon. Okay. Alors, ici, forge, bon, ça, je pense que c'est pas très intéressant, vous avez déjà vu. Moi, je pense que ce qui intéresse les gens, c'est la boîte de striptease. Ah, forcément, écoute, tout le monde. Voilà. La boîte de nuit, c'est ça, voilà. Tout le début, vous pouvez le voir sur les vidéos de Siphano. D'ailleurs, je vous recommande vraiment la chaîne de Siphano. Hein. Moi, j'y vais perso, que... hein, toc. Voilà. Siphano, Dorthos, Vanga King, tout le monde, même toi Majemo, eh oui. Alors c'est vrai qu'avec mon pack, moi je trouve que ça rend pas mal, les boîtes à musique, hein. J'ai pris celle de Fantasio, donc je trouve que ça rend pas mal. Peut-être que le lapis c'est un petit peu étrange, bon, voilà. Mais dans l'ensemble c'est marrant, c'est lumineux, il y a un tableau d'Ezio ici. Même avec le pack original, tu vois les bibliothèques, ça fait comme s'il y avait des bouteilles d'alcool partout en fait. Ah oui d'accord, il monte les filles. Non mais en fait ce qu'il a pas fait c'est que bon là c'est, en fait c'est la boîte de nuit mais la boîte de striptease normalement c'est prévu qu'il fasse un truc avec des poteaux pour faire les bars. Ah mais ils sont durs en fait. Il fait la nuit là. Il fait nuit bon. Ah c'est le bar tout court.
Ah, c'est le club de striptease, interdit aux mineurs, donc Magémo. Ah, c'est où le club de striptease? Alors attends, c'est où, c'est où? Ici. Ouh, pas mal. Ah, la mort, oh, génial, la laine rose. Ah oui, il y a de l'idée. bon, c'est assez épuré, mais en fait, il aurait dû faire une petite salle, tu sais, parce que normalement, il y a une petite salle privée. Enfin, si ça, j'y connais pas, hein. Moi, je connais que ce qu'il y a dans GTA 4. Hein. Mais non, mais il aurait pu faire une petite salle privée. Bon, on peut pas faire de rideau, tu vois, mais un petit. Mais franchement, il y a de l'idée. Hein. Regarde, sinon, non. Regarde ce que. Mais je savais qu'il allait te mettre en sneak. Aïe. Franchement, le dernier petit coup de dent, c'était pas mal. Attends, je t'envoie de l'argent. Vas-y. T'es où? Je suis derrière toi. En fait, l'argent s'appelle la cobblestone, tiens. Oh. Dime, je t'envoie des torches aussi. Tiens. Clac, 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 clac. Oui, oui, oui. Nous voilà. Bon alors, où est-ce qu'on va se rendre maintenant? D'après mon plan, je peux dire qu'on va se rendre... Alors... Ouais, j'ai pris une carte pour vous montrer ça, mais ouais, c'est tellement exploré que... Ton super plan cheaté. Non, mais c'est-à-dire que la ville, en fait, on la voit pas... On voit toute la masse de verre, on voit pas ce qui se passe. Oh, attends. Non, j'ai cru voir un creeper, mais c'était la montagne que je voyais derrière. Alors, qu'est-ce qu'on... Le bar. Dans le nether ou pas? Le nether aussi. A changé un peu. Hein. On n'a pas visité le bar aussi. Le bar, ouais. Tu sais que je lag, c'est monstrueux. Hein. Alors, moi, perso, j'ai une très bonne connexion. Oh, y a pas d'alcool. Oh, c'est dommage. Le bar est sympa, je trouve. Ouais, c'est super sympa avec le boulot, en fait. Ça fait des espèces de nappes. Et les demi-portes, là, comme ça, j'aime bien. Tu vois, demi-portes. J'aime bien aussi, oui. Bon, avec mon pack, c'est bizarre, mais... C'est bien. Non, moi, c'est et là-haut, il y a un tableau avec une araignée, c'est-à-dire que pour moi, c'est le bourreau. Ah oh, oui voilà. Oh, j'adore. Voilà, là. Vous êtes méchant avec moi. Donc, vous voyez, mon pack, il est vraiment finalisé, hein. Comment dire, je vais organiser un concours pour pouvoir le gagner, mais j'ai pas encore trouvé ce que je vais faire parce que je voudrais faire un truc original. T'as peut-être une idée, LR? Bah oui, je te l'ai déjà proposé tout à l'heure. En fait, c'est de prendre un jury de 4 personnes et c'est de prendre genre une dizaine de personnes sur un coin vraiment vraiment éloigné de la ville et de faire les plus belles constructions qu'ils peuvent de même, tu vois. Oui, mais là je te parle pas d'un truc dans le serveur, mais ce que je veux c'est faire gagner le pack à n'importe qui de mes abonnés qui soit même capable. Ah, c'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Non, mais attends, ça, comment c'est possible ça? Comment qu'elle est venue? Elle a popé là-haut. Mais c'est hein? Elle a spawné là-haut. C'est pas possible. Et moi j'ai pas envie d'être dérangé, hein. Désolé, mais ah. Voilà. De toute façon c'est mieux le jour. Alors, bon, le nether, bon, je... Bon, les heures, je pense pas que si, alors pour voir mes nouveaux cochons zombies que j'ai fait en fait. Ah. Bon, ah, je crois qu'il y a une araignée juste derrière là. Voilà, elle nous attend. Saloperie, j'ai eu. Il y a les monstres qui brûlent là. Donc voilà, la zone de jeu qui est vraiment immense. Là-bas, c'est le spliff, si je me trompe pas. Ah oui, on fera une. Bon, comme tu veux. Ah, mais attends, je suis abruti, j'ai le brouillard au maximum aussi. Regarde. Voilà, là, c'est quand même mieux. Le spliff, il est là-bas, hein. Il est pas là-bas, il est. Derrière toi, il est là-bas. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est quoi au bout alors? Bon. Au bout, c'est le contour. Enfin, un contour, je pense. C'est pas. Oh, mais je voyais un truc là-bas. Hein, je pourrais me TP directement en cheatant. Oh, des flèches. En cheatant, oui. Donc voilà. Donc ici, on va construire plein de choses pour faire des events, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est. Ah oui, non, mais là-bas. Mais attends, ici, il y a un truc. C'est la piscine là-bas. Ah oui, je m'amuse à faire les 3-6 flips, black flip. Ah bah je te regardais bien, on va à la piscine, on va te regarder plonger. Oui, oh yeah. En mode mexicain. Donc vous voyez que les murailles sont faites de soul sand, une bande de soul sand, ça c'est tout simplement pour empêcher les araignées de grimper. Y a pas de vestiaire, en plus, bon, ça peut. C'est vraiment que tu changes de skin que je te vois à poil. Allez, on te regarde plonger. Attention, Kaliaro qui se lance sur le grand pouvoir avec son épée en diamant qui saute et qui a fait un 3-6 et qui tombe dans l'eau. Elle est bien faite la piscine, hein. Il n'y a pas de courant, c'est parfait. Faut que je m'y suis. Bon, par contre, bah... Je m'y suis, toc toc toc, voilà. Ouais, je t'ai pas regardé, bon, c'est ah, pas dommage, grave. T'as loupé quelque chose. Ouais. Bon, j'ai encore augmenté le brouillard. Je ne vois plus rien, je pense dans le vide. On fait une partie de spliff, t'en dis quoi? Oh bah. Moi oui, je vais avoir un peu de mal, mais bon, à jouer, mais c'est pas grave, hein. Tout à l'heure j'ai gagné. En plus comme on est en god le spliff, vous allez voir comment c'est marrant. C'est des matchs vraiment à mort. Oui, c'est des matchs à mort mais on meurt jamais.
Je vois des creepers là avec les bugs là, bon. De toute façon, on devait avoir plein de cavernes en dessous là, hein, c'est sûr. Donc là, c'est les gradins. Mais non, on se rend dans l'arène de combat. PGMP, merci, merci, merci. Oh mince, on n'a pas réparé. Oh. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et j'ai plus de bouse en plus. Oui, donc terrain est un peu bien fauché. Moi, j'ai plein de bouse, tiens, on va réparer ce truc là. Tiens, je t'en envoie un peu. Gerbe de la bouse. Tiens, bouge. Attends, avance pas trop à moi parce que moi je vais la remanger moi. Tiens, attends, on va faire, je t'envoie un stack direct, clac, voilà, c'est bon. C'est bon? Ah oui, c'est. J'ai tout reçu. Tiens, tu de... Alors, toc, moitié. Toc, toc, toc. Ouais, bon. Ok, là, le brouillard maximal. Mais pourquoi tu mets maximal, ça sert à rien? Enfin, non, mais j'ai le plus de brouillard possible. Ah! Mais parfois c'est bizarre parce que parfois j'ai du brouillard, ça lag, je retire le brouillard et ça marche mieux. C'est l'effet inverse, tu vois. Normalement c'est censé faire l'inverse, c'est censé brouiller. Ouais mais ça marche pas toujours très bien. Ouais mais tu vois j'ai des lags de connexion là. La campagne mon petit, bon, la campagne. Ouais non, c'est ça le pire. Le pire c'est que je suis en plein cœur de Paris et que ça lag parce que j'ai... Je ne citerai pas mon opérateur mais je vous le recommande pas. Vous pouvez pas savoir qui je ne vous recommande pas mais je vous le recommande pas quand même. Tant qu'il ne nous sponsorise pas, on ne lui fait pas de pub hein. Et ça commence par un B. Bon. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ah attends. Oh j'y crois pas. Y'a yeah, chacal. La dernière fois j'ai gagné, donc non. Oui. Je vais faire comme toi la dernière fois là, tiens. À mort, chacal, à mort, à mort. Ah ouais, tu vas tomber aussi dedans. Hein. Ouais, mes fesses, oui. Par contre, je sais pas si ils ont pas vu la nouvelle prison là, comment la nouvelle prison. Non, je sais pense pas. Non, ce que ça donne la prison, donc voilà, une prison en bedrock avec des barrières. Attends, j'arrive. Mmh. Alors, slash, warp. Ah oui, bon. Donc voilà, donc maintenant t'es coincé en prison. Non, t'inquiète pas. On est dans prison, on est en prison. Donc ça c'est de la bedrock hein, vous avez mon palier de texture, mais ça c'est bel et bien de la bedrock. Incassable, enfin, avec les... Donc il y a 4 cellules, ou plus, je sais pas. Hein. Là je peux pas sortir moi, je peux pas sortir enfin sans cheater. Mais je ne montre pas les commandes de cheat pour pas que les autres membres sachent comment on fait. Hein. Je ne sens pas visé par tes propos. Hein. Donc on va chez toi. Oh ouais. Viens, on va visiter chez toi, donc tu fais un slash home et je me TP à toi. C'est un plaisir. Parce que moi j'ai déjà montré ma maison. Alors. Voilà, chez ne rien prendre sa permission. Mais tu l'as fait où ton slash home? Oh, bien dedans. Ouais ouais, chez moi, ouais, mais je me suis déplacé avant. Ouais. Alors bah l'intérieur, hein, classique. Et on a augmenté notre passage secret, tiens. Par contre le passage secret c'est public, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ah ouais. Je l'ai montré la dernière fois, donc toi aussi t'as fait un évier. Et attends, je suis. Quand tu veux tu descends. Merci. Donc ça c'était le souterrain qui avait fait. C'est Vanga King qui avait fait. Ouais, Vanga King, hein. Ouais, si je me trompe pas. Voilà. Et ça communique. Et bon, par contre, on révèle la suite ou pas? Non, on révèle pas la suite. Non. Dommage. Bon. Du moins, tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai enlevé le brouillard et là, j'ai l'impression que ça marche mieux, tu vois. C'est pas bon. Je te cache de la suite. Hop. Là, c'est chez Kazuo en fait. Donc ici, là, on va remonter par exemple chez Kazuo. Ou si on monte par là, on va chez moi. J'ai cassé. Mais... J'ai caché. Bon, on va chez moi. Ah, chez toi. Là. Ah, il y a une trappe. Alors là, vous pouvez voir la trappe ce que donne avec mon pas de texture, ça correspond aux portes en fait. C'est un petit peu comme les portes. Oui, je suis sorti. Donc tu vois la trappe, c'est... Moi j'ai fait pareil que toi avec une trappe. Là, par contre, là, je suis coincé, c'est normal ou... Non, c'est bon. Alors, si tu peux te pousser, s'il te plaît. Oui. Pas te pousser. Non mais... Ah, oh. Moi qui gêne. Allez, sort parce qu'il faut que je baisse le levier parce que j'ai pas le levier dans cette position, ça c'est du casse-bro. Je m'essuie, attends. Tac, tac, tac. Essuyez. Attends, il faut que je referme la trappe là. Descends. Voilà. Donc je referme la trappe. Parce que moi je trouve ça absurde de laisser de l'eau couler juste parce qu'elle est arrêtée par une échelle. C'est la trappe qui empêche le passer. On est en 1.6 donc je profite des trappes. Donc vous voyez la trappe, on la voit pas très bien, mais c'est déjà ça. Oui, non, ah, non, si je voulais aller dans le désert pour montrer les zombies, les pics zombies. Je n'aime pas ton frigo. Mais en fait mon frigo c'est une douille, il y a juste un bouton mais il s'ouvre pas.
Ah d'accord, le gros pigeon. Ouais, c'est le principe d'un frigo. Hein. Bon, ici, bon, j'ai. Est-ce que j'ai mon chien là-dedans? Mon chien, il est mort Non, c'est moi encore qui une l'ai fois. tué. On l'a sauvagement assassiné, mon chien. Ah oui, Et toi, et d'ailleurs, tes chiens, ils sont où, le tien? Oh, je les ai lâchement abandonnés. Mes deux chiens. Tu les as fait asseoir et tu les as laissés là où ils étaient? Bah ouais, mais tu m'as dit qu'ils allaient se TP en fait, mais alors t'es qu'un gros menteur. Ouais, mais si tu les assois, je crois pas que ça marche en fait. Quand tu les... Le but de les asseoir justement, c'est qu'ils restent si Ah tu veux oui, pas les emmener avec toi quoi. au fait, faut que tu viennes, t'as pas vu le must de chez moi en fait, t'as pas vu la piscine. Bah si, elle est sur le toit. Non, t'y es pas allé sur le toit. Bah si, j'y suis allé tout à l'heure. Non, mais t'es sûr. Mais bref, non, pas en vidéo, oui, mais attends. Donc là, je suis coincé parce que ça c'est une échelle mais qui ne sert à rien. J'y crois pas, j'y crois pas. Bon, on va pas visiter tous les autres quartiers. De toute façon, il y a quoi? C'est quartier pénal. Le premier, c'est le quartier de la mairie avec tous les trucs qui existaient déjà. Mais ce qui a changé, c'est comme la zone de jeu et puis les maisons. Toutes les maisons ont été reconstruites parce qu'il y a eu un incendie général. Comme l'incendie de Londres, il y a un boulanger qui... Non, je rigole. Non mais il y a eu un gros problème et puis il y a des membres qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Donc voilà, donc Alero, Ma belle qui est piscine. très souvent là et qui est de l'agréable compagnie. Voilà. Ah, ça fait plaisir à entendre quand même, un peu de reconnaissance. Voilà. Et qui m'a filé Fraps hein, quand même. Hein. J'ai déjà dit, mais je le redis. Hein. C'est quand même grâce à toi hein, Je sais, que je vous sais. avez cette vidéo. Et là, il y a eu un sale bug. Et c'est quand même grâce au fait que je me filais Fraps que t'es peut-être rentré sur le serveur. Oui, je Enfin, je sais pas. pense. Mais Je dis ça, je dis rien. je te l'aurais filé de toute façon. Oui. Et tu serais rentré de toute façon, peut-être. Je sais pas. Aussi. Alors, ça te dit, là, la vidéo est déjà assez longue, qu'on se rende dans le Nether, histoire de mourir. On s'enlève le god. Oh, pourquoi Peut-être s'enlever le god? que les gens ont envie de nous voir mourir, je sais pas. Tiens, ferme les portes, s'il te plaît, parce que moi, je lag, j'y arrive pas. Ah oh oui, tiens, pourquoi ne pas mourir dans une première vidéo? Oui, c'est marrant. Déjà que moi, je suis tombé dans le spliff, hein. Mais sauf que moi, j'ai plein de trucs en diam sur moi, tu vois. Mais je te les donnerai. Allez, on y Ah, va. je viens de bugger, je reviens tout de suite. Ah, je suis dans le désert, tu pourras pas te TP à moi. Faudrait que... Enfin, je T'inquiète. ne pourrais pas te TP. Multiplayer, connect. Est-ce que vous Alors. avez le son? Oh! J'avais pas mis de son, mais alors il y a un bug avec le son, il revient à 0 tout le temps. J'ai fait la même erreur que Siphano. Encore? Ouais, mais c'est le son en fait, il revient à 0 dès que je quitte, dès que je reviens. Donc là, il y a un cochon dans mon zombie, donc vous voyez que c'est Homer Simpson. Hein. Oh. Bon, pas les textures, c'est comme ça. Non, mais regardez, franchement, c'est vachement bien fait. J'ai travaillé ce personnage. C'est Homer Simpson en mode zombie. Donc il a un œil borgné, un œil, vous voyez, il est un peu vert, rouge. J'ai repris le système des cochons zombies, sauf que j'ai fait ça avec Homer Simpson. Ah, regarde comme il est moche. Meurs. Regardez comme il est moche. Non! T'as tué Homer Simpson! Ouh, pinaise! Tu l'as tué! Pinaise Trop! de Alors, ce que j'ai pas réussi à faire, par contre, c'est modifier le son, en fait. Dès qu'on modifie le fichier son, ça revient automatiquement à l'original. J'arrive pas à le modifier. Je voulais modifier par exemple le bruit des araignées, Il y mais. a une colonie d'Homer Simpson là-bas. Ouais, ils sont toujours par colonie en fait. Attends. Ah oui, il y en a plein là. Et Coucou là. copain. Est-ce que j'ai une épée? Je n'ai pas d'épée. Bon, bah on va tuer ça tous à la pioche, hein. Je vais mourir, mais bon. On est toujours en god, hein. Ok, bah c'est amusant là. Le bruit qu'ils font est absolument. Oh, il y a un... Bon. Ah, il y a un gaz là-bas. Oh, il y a un guest. Là-bas. Ah oui, mais on voit plus. Ah, il y a une colonie là-bas encore. Je vais me prendre... Je suis violent. Hein? Coucou, tu veux voir ma bite? Non, pas ça sur YouTube. Hein. En plus, les gens qui connaissent pas, ils vont pas qu'ils comprennent pas. Hein. Par contre, t'étais un petit peu loin. J'ai fait spawner un guest, mais je ne sais pas où il a spawné. Tiens, ça te ferait marrer de voir une vache dans le désert ou pas? Oh oui. Une vache dans le désert, ça te dit, hein? Là, je vais Ouais. faire un grand saut. Attends, bouge pas trop. Tiens, on est sur la scène, on est sur sous scène. On va aller là-bas dans le feu. J'aimerais bien voir une vache se faire étriper par les pics zombies. Oh, t'es sadique quand même. Oui, bah c'est le but, hein. C'est métal. C'était magique. Regarde, le bruit. Vas-y, elle est con cette vache, attends, je te jure. Elle apparaît et boum, elle direct elle va sur le feu.
Et ce qui est marrant tout à l'heure, c'est que j'ai fait venir. Enfin, je le dis pas parce que sinon Sifano va me défoncer. Il va me faire bannir. Non, en fait, j'ai fait spawner un pic zombie dans la nature, la vraie, pas dans le Nether, dans le vrai monde. Et ça fait vraiment bizarre, je vous dis. Et j'ai pas fait un ghast par contre. Le ghast, j'ai eu trop peur des conséquences. Et là, j'ai essayé de faire un ghast et puis je sais pas où il est apparu. Tiens, et de Homer Simpson là-bas. Enfin, je dis Homer Simpson, mais toi t'as le pack normal ou t'as mis mon pack? Oh bah non, je t'ai expliqué, je dois avoir 40 000 dossiers de Minecraft, donc je suis pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as ton problème. On fait comment? On se suicide pour revenir dans le monde normal ou... Alors remarque, avec le slash home, on est vraiment tranquille. J'ai envie de faire mon slash home, en fait, tu vois. Quand tu veux. Allez, je bute Homer Simpson. Allez hop, je fais le slash home. Voilà. Je me suis mis ça. Oups. Ok. Bon, j'aurais pu en tuer quelques d'autres, mais... Ah, il y en a un qui m'embête. Oh là là là. Alors, où tu es, ma jumeau? Attends, je fais un combat à la troisième personne. Regarde. C'est génial, je fais un combat à la troisième personne. Que comme je suis en god, une chance de perdre. Où je suis? Bah, je suis bientôt près de toi. Tiens. Pas d'allumé, là. T'es où? Devant, oui, c'est, bah, c'est ça. Moi, je suis apparu devant Vanga King, en fait, dans la villa de Vanga King. Ah, il faut que tu refasses une fois home, en fait. Non, mais en fait, bon, c'est pas grave. Donc, on va dormir. Tiens, je vais te regarder dormir. Oh oui. T'es chez moi là, non? Tu m'as dit. Oui, ah, je suis. Là, chez je t'ai entendu rentrer. Coucou. Oh, donc, j'ai sommeil. On n'a pas beaucoup présenté. On a surtout dit des conneries, mais c'est pas grave. Allez, dors. Et tu me dis que t'as pas de TNT? Tu as de la TNT dans tes coffres? Non, je l'ai mise avant de faire la vidéo parce que je voulais pas qu'on voit mon inventaire avec la TNT, c'est juste ça. Voilà. c'était celle que j'avais sur moi pour que lorsqu'on a déblayé la montagne. Hein. Bon, attends, je mets une petite berceuse. Bon, la musique de Minecraft, ça veut pas se mettre, bah je la mettrai moi. Y a un bruit d'araignée, tu l'entends? Oui, je l'entends, oui. On peut pas dormir côte à côte. Oh, dommage. Ah, t'as vraiment envie de dormir à côté de moi, hein? Ah non, on peut pas. Dommage. Est-ce que j'ai un troisième lit ou pas? Est-ce que j'ai de la laine? Non, on peut pas dormir. Je suis désolé, mais on peut pas. Et j'essaye moi de dormir. Attends. En fait, c'est moi qui arrive pas à dormir. Ah si, c'est bon. Alors, essaie de dormir, toi. Il peut pas dormir, il peut pas dormir. Là tu me regardes dormir, c'est drôle hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme truc méchant? Ah, tu m'essuies les fesses. Oh, c'est dégoûtant. Oh. Hop. Non, t'as pas osé faire ça. C'est pour mes abonnés, hein. ils veulent de la méchanceté. Ils veulent qu'on soit méchant, qu'on soit vicieux. Tiens, t'as qu'à venir ici pour récupérer tous les items. Tu n'as pas. De toute façon, tu n'auras pas dans ta maison. De toute façon, il y a quoi? Il y a une pelle en métal, une pioche en métal, des côtelettes. Tiens, oh, des tableaux. Tiens, je lâche les tableaux. Les os, ils étaient à toi un peu, la moitié. Tiens, un signe, un coffre. J'avais une épée, fentes, un diamant et. Bibliothèque. Une épée, une hache. Ah, ouais. Et voilà. Il est content, hein. Oui. Bon, les côtelettes, ça sert à rien. On va tuer cette araignée ou pas? Ou alors je dors et... J'ai envie bien du... Oui. Pour être poli, j'ai envie d'exterminer sa race de... Dark. Alors, t'es où ma cocotte? Elle a encore spawné là-haut, non? Allez. T'es où? Et bah, bon, c'est pas grave, écoutez, je vais pas te faire une vidéo trop longue non plus, hein. Sinon ça va finir par vous saouler. C'est une vidéo un peu de présentation. De news aussi. Alors les news. J'ai fait une candidature en Fontainebleau Friends. Mais je sais pas encore quand elle va passer. Hein. Vous pouvez surveiller le site, enfin cette page si vous voulez. D'ailleurs, la chaîne est dans ma subbox puisque c'est une des conditions pour postuler. Vous pouvez le voir régulièrement, mais je pense que c'est pas avant une semaine que je vais passer. Hein. Voilà. Une semaine et demie quand même, je pense voir. Ouais, plus, même plus. Ouais. Oui, non, c'est ça, mais moi, ça fait déjà une semaine que j'ai mis la vidéo, donc... Oh non, même pas, non, ça fait pas une semaine, ça fait quoi? 5 jours? Bon, bref. Ouais, enfin, presque une semaine, quoi. Ouais. Dommage que je puisse pas te mettre tes coups de pioche dans la figure. Mmh.
Ah, le PVP n'est pas activé. Bon, bref. Je veux bien que tu remettes mon God Mode, s'il te plaît. D'accord. Tiens, on va faire... Ah non, mais là, je peux pas faire un petit tour dans l'incinérateur parce que je peux pas montrer le cheat, mais... Sinon, ce qui est amusant, c'est vraiment de rentrer dans la tour de lave, comme ça. Et dans le phare aussi, c'est marrant. Mais là, pareil, je ne peux pas le faire parce que c'est du cheat. Non, il va être des côtelettes. Non. Donc ça, c'est ce que t'as récupéré des Homer Simpson. Oui, voilà. Je suis en train d'incinérer les Homer Simpson. J'ai encore modifié les fenêtres, j'ai modifié un petit peu les torches, j'ai modifié le levier, les trappes. Oh, fort bon. Enfin, je tiens à dire quand même que ce serveur, c'est vraiment un truc de malade, c'est un truc de barbare, la communauté des jeux. Ce serveur, c'est trop de la balle, c'est trop de la balle, c'est juste un truc. Je suis pas en train du tout de faire du lèche. Hein, du lèche extérieur pour être. Pour être poli, mais sérieusement, la communauté est vraiment super sympa. Continue à postuler sur forum. Mmh. C'est vraiment super. Ouais, c'est génial. En plus, je crois que, enfin, j'ai passé un accord avec Notch, et puis je crois que finalement, il va nous remettre Herobrine juste pour nous, parce que j'ai vraiment demandé à ce qu'on ait ça sur le serveur. Ce serait une attraction spéciale. Ce serait de venir voir Herobrine. Mmh. Un Kazuo. là, je nomme Kazuo directement dans mes vidéos. Voilà. Il va plus jamais vouloir me parler désormais. T'as tué l'araignée? Non, je l'entends toujours. Ah, mais elle est... je crois qu'elle est dans la maison de Dorthos. Non. Mais c'est laquelle, la maison de Dorthos aussi? Ah si, elle est là. Oh la saloperie. Oh la vache. Oh, le message que j'ai, je l'ai jamais eu celui-là. Hein. De quoi? Minecraft has run out of memory. Bon, on va se laisser sur cette magnifique image. Hein, et je vous dis... à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, hein, à bientôt tout le monde. On salue. Et bon, en tout cas, la prochaine vidéo, ce sera le défi de Super Hooligan. Voilà. Allez, salut. Salut.